ici Truffy et bienvenue pour Silent Hill. un nouveau let's play, le nouveau let's play que nous allons parcourir ensemble, un des pères fondateurs du genre du survival horror. Alors quoi de plus normal pour moi, pour vous, pour nous tous, pour les Truffidèles, que de s'aventurer dans les catacombes des ténèbres. Qu'est-ce que je raconte, je ne sais pas. j'avais envie de changer de genre aussi, de jeu d'horreur après Amnesia qui était en vue à la première personne, très immersif, mais je pense que ce jeu en vue à la troisième personne pourrait être tout aussi effrayant, si ce n'est bien plus, étant donné que il est la source d'inspiration des plus grands jeux d'aujourd'hui. Donc voilà. J'espère que vous êtes impatients de le découvrir avec moi. Et je suis un peu stressé à chaque fois que je commence une nouvelle partie. Je déteste faire ça parce qu'il y a tous les paramétrages, tous les trucs techniques, les problèmes, les trucs de merde. Mais je pense que j'ai réussi à faire, on va dire, au mieux. Donc il y a peut-être encore des choses à régler. J'ai mon excuse d'avance. J'espère que ça ne nuira pas à votre spectatalisation. Visionnage, plutôt. Mais pourquoi je dis pas visionnage? Je sais pas. Dans tous les cas, on y va. D'accord? Je fais ma tête de laissez-moi un HM. Ok, je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais fait continue sur la partie que j'avais fait tous les réglages. Donc, non. je sais ce que vous vous dites là, ça commence très bien. Je sais, je sais. Va-t-on y aller en facile ou normal? Ou en difficile? Me voir jouer à un jeu en difficile un jour, vous ne voulez pas voir ça. Non. Facile peut-être. Normal? Non, on va dire. Essayons d'être normal. Normaux? Normal? Non, c'est moi tout seul. Et... le son est dégueulasse. Ah. J'ai paumé ma petite fille sur le bord de la route, c'est déjà bon signe. C'est la bonne façon de commencer un jeu. Oh, j'adore cette petite danse d'épaule là qui fait. Ouh! Quel cul d'enfer! Ça va, le son à la paire. Ah, Cheryl, où es-tu parti? C'est étrange. C'est calme. Trop calme. Cet endroit est comme une ville fantôme. Ou la ville du Père Noël. Avec tous ses flocons. Ses flocons d'avoine. Cheryl. Au moins, on sait qu'elle s'appelle Cheryl. Cheryl, cerise, j'allais dire. Bon. Quoique, ça ressemble un peu à cerise, Cheryl. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Ok, on va voir les contrôles d'abord. J'ai fait plusieurs réglages et normalement je... Oh là, oh là, oh là. Attention. C'est genre... Attention, poster en approche. C'est par là que je dois aller. Je vous avoue que j'ai... Oh shit. J'ai un peu... Pendant des heures et des heures, j'ai fait ça. J'ai tourné autour comme un connard pour régler les problèmes d'émulateur. Donc du coup, je ne sais pas trop... Oh, oh, un panneau avec des femmes. C'est la rue des prostituées. Des bruits de pas. Oh oui, on entend des bruits de pas. Vous devez mettre ce casque. Pas le mien, évidemment, mais votre casque pendant que vous... Voilà. Pendant que vous me regardez jouer. C'est un jeu d'ambiance, indubitablement. Cheryl. Oh, il m'a fait peur. Is that Cheryl? Non, c'est juste une petite fille qui ressemble très, beaucoup, énormément à ta propre fille. Et qui... te fait avancer dans un brouillard. Where are you going? Oh, hey, wait. Ste bide. Stop. Ste bide. Il y a encore des problèmes avec la voix d'Harry Mason. Ok. Oh là, je la vois plus du tout là. Cerise! Viens ici que je te donne des noyades, petite conne. Je vais carjacker cette voiture et te rouler dessus. T'apprends à courir? Pourquoi je lui fais une voix de russe? Oh là, oh là. On voit rien du tout! Mon dieu, c'est quoi ce jeu d'horreur? On voit rien à chaque fois. Oh. Je sens l'odeur d'une petite fille. Ah, c'est les chroniques de Pédobir. Reviens, ma petite fille, chérie. Oh, oh, cerise. Tu as la place sur en haut de mon gâteau. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oh, ok. Attention au chien. Erf, non. Qu'est-ce que c'est que cette... Waouh. Bah là, je crois que ma petite cerise s'est transformée en gâteau. Qu'est-ce que... Il dit la même chose que moi. Oh mon dieu. En fait, tu s'es écrasé. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Mon dieu, je peux suivre les traces du fœtus? Oh non. C'est dégueulasse. Mon dieu, c'est toi qui as fait ça, Cerise? Reviens ici, Cerise. Ouh là, oh là là. C'est quoi ce plan de vue bizarre? Oh, oh god. Vous avez vu ce... Oh, tu peux le refaire. Vas-y, fais-le. Refais-le. Oh. Pendant que sa fille est en train de le fuir, t'as le père qui est comme ça dans la rue, genre, oh mon dieu, cette rue est formidable. Waouh, j'ai jamais vu jamais vu de ma vie de vidéo de gamer un plan de... Waouh, un plan de caméra comme ça. C'est ce que j'appelle du... 7ème art. Non, c'est du 8ème art. Waouh, c'est moi où il fait... Ouais, il fait vraiment sombre, là. C'est étrange, il fait plus sombre. C'est mieux que rien, je suppose. Non, j'aime pas les briquets. Regarde, oh non, on voit rien. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Doucement. Oh, y a des mouches qui me suivent. C'est quoi ce bruit? J'aime pas ça, j'aime pas ces plans de vue, mon dieu. Waouh, waouh, waouh. Oh non. Une chaise roulante cassée, qu'est-ce que ça fait ici? Bon, y a un handicapé qui a fait un peu de karting et il s'est vautré. Waouh, mais regardez les effets des gouttes de pluie sur le sol, c'est incroyable pour un jeu PlayStation 1. Je suis suffoqué. C'est quoi ce bruit? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Non, non, bah, non, Harry. Mets-toi dans un coin. Parce qu'apparemment, il s'appelle Harry. Si j'ai bien compris son prénom. C'est Harry et Cheryl. Qu'est-ce que c'est que cette... Tu veux pas regarder en dessous des fois? Ah, il y a toutes les copines à Batman en plus qui lui tournent autour, c'est génial. J'aime pas ce bruit, ça fait penser à Slender. Ça me paraît. Oh non, 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 pas de bruit comme ça, pas de bruit, s'il vous plaît. Oh, j'aime pas du tout ça. Il y a du sang partout. C'est le festival des règles, c'est 14 juillet des règles. C'est de pire en pire. Erf. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a une partouze ici. What is this? Oh! What's going on? Il y a du papier toilette autour de la tête. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? Qu'est-ce que ça fait ici? Je absolument rien. Qu'est-ce que c'est con? Non, non, non! Ah, c'est quoi ces nains turcs là? Non, cassez-vous! Laissez-moi tranquille! C'est quoi ça? C'est... Ah, non, 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 cours, cours! Ah, pas mon anus! Non, 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 laissez-moi courir! Ah, où je vais? Je sais pas, aucune idée! Dis-moi tes secrets, dis-moi tout! Oh, quoi? Non, non, cours! Ah, ah, non, ah, non, pas de fellation! Non, 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 non! Ah, tiens! Je me fais sucer la bite! Non, 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 oh merde, 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 merde. Oh non, je transpire. Aïe, aïe, aïe. Oh non, par où, par où? Par là, par là, par là. Non, c'est fermé. Shit. Quoi? Une clôture? Non, 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 me fais pas mourir ici, non. Saute sur le tonneau. Ah, ah, non, ah. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces merdes là? Pourquoi je me suis fait auto-fellationner? Qu'est-ce que c'est que ce... Je suis déjà mort. Oh. Il m'a fait peur ce con. Oh, cette gueule. Oh. Bonjour madame la policière, vous avez vos menottes pour moi? J'ai vu assez de films porno pour savoir comment ça va se finir. Ou pas. Was I dreaming? Bonne question Harry. How do you feel? Comme une merde. Oh, like I've been run over by a truck. Ça ressemble. But I'm all right, c'est viable. I guess. Glad to hear it. Okay. You from around here? Voilà, la musique pète un câble. Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. Oh, j'ai pas de chemise hawaïenne ni rien, mais je suis un touriste. I came here for a vacation. I just got here. C'est quoi cette destination de vacances de merde? I don't know what happened. C'est la musique la plus bizarre que j'ai jamais entendue. Find out myself. Oui. Tiens, tiens. Non, c'est vraiment dialogue de film porno. Have you seen a little girl? Oh là. Just turned 7 last month. Short, black. La meilleure façon pour passer devant, pour un pédophile, devant un flic. Ouais, tu fais bien de préciser, j'allais dire. Sorry. Non, ok. The only person I've seen in this town is you. Ah ouais, donc ça vous inquiète pas qu'il y ait une petite fille de 7 ans dans une ville fantôme comme ça? I'd tell you if I knew, believe me. Non, je te crois pas. T'es blonde en plus.
but from what I can tell, something bizarre is going on. Comme ta tête qui arrête pas de changer de forme. Et la mienne. That's all I know. On connaissait la coupe à géométrie variable, maintenant c'est le visage à géométrie variable, c'est assez bizarre. Je sais pas si ça... What's your name? Je m'appelle Truffy. Harry. Ah. Pas loin. Harry Mason. Oh. Harry Mason. Sybil Bennett. C'est quoi ce nom de beignet aux pommes? I'm a police officer from Brams, the next town over. Ah ok, c'est génial. The phones are all dead, and the radio too. C'est génial. I'm going back to call in some reinforcements. Ah ouais, avec quoi? Ah, tu vas y aller à pied. Parce que je t'ai vu te cracher en moto hein, dans l'intro. Hein? Fais pas genre. Hold it. Where do you think you're going? Ta pipi. My daughter. Ah. I've got to find her. T'as pas l'air très inquiet pour ta fille en tout cas. No way. Oh, je t'emmerde. It's dangerous out there. Ici, tu veux dire dans cette pièce? In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. Tout à fait. Madame Beignet. I can't just leave her out there by herself. Ce serait ma fille, je serais déjà partie. Have you got a gun? J'ai ces boîtes de tomates mayo à côté là. Je peux m'en servir, ça peut être dangereux. Take this. Oh, pas trop près. And hope you don't have to use it. Oh, un pistolet. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. Très mauvaise idée de me donner un flingue à moi. Très mauvaise idée. And don't do it unless you have to. Ok. And don't go blasting me by mistake. Je pense que c'est ce qui va arriver exactement. Je vais lui tirer dessus. Yeah, thanks. Il est déjà là. Tiens dans ta gueule. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Non, je compte pas rester là. Oh mon dieu, cette tête. T'as une tête à Rimesson. Montre-moi ta tête de plus près. Oh. Mais c'est quoi ce visage qui change de forme? C'est un caméléon, ce mec. Quoique, j'aime bien son style vestimentaire. Ça fait rockabilly. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit col en V. Mm. N'empêche, il porte un t-shirt, un col en V et une veste en jean. J'imagine que c'est normal. Il doit faire froid par ici quand on voit les flocons. On s'en bat les couilles en fait. Oh, un flipper! Une machine à sous. Bah, pff, bien sûr, ça ressemble à une machine à sous, ça. Qu'est-ce que c'est que ce poste? Il est là. On dirait Charles Manson. Et tu dis, bon sang! C'est le. Ouais, c'est assez random. Qu'est-ce que c'est? Oh, du Power Head en pilule. J'adore. Il y a une lampe torche, vous la prenez? Oui, c'est toujours bon dans un jeu d'horreur, j'imagine. Il y a une carte du quartier résidentiel. Oh putain, la carte. Oh putain, on a une carte dès le début. Ça, j'aime ça, ça. Ça, j'aime ça. Vous avez vu comme moi, non? Il y avait un truc là-dedans. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Vous l'avez vu, non? Non, et retournez en arrière. Je rigole pas, il y avait un truc à la fenêtre. Un truc tout rose et tout. Je sais pas. Tout d'un coup, j'ai plus envie de sortir vraiment. Qu'est-ce que c'est, une boîte de crackers? Non, une radio. Est-elle cassée? On n'entend rien. Mm-hmm. Pourquoi on peut pas la prendre? C'est ça. Impossible d'allumer la télé. C'est pas ce que je veux juste le couteau moi. Pour m'ouvrir les veines tellement ce deal a l'air génial. Boisson vitaminée. Couteau. Et la radio, je peux la prendre maintenant? Je peux la prendre? Non? Voilà. Non? Ok, bon. C'est bizarre comment elle ressort de la table et. Oh, remarque, tout a l'air de ressortir ici. Oh, je me fais agresser par des mouches. Mon dieu. Radio. What's going on with that radio? Elle veut que j'écoute rire et chanson. Cette radio est possédée. Ne t'approche pas, Harry Mason. Harry Maison. Oh putain de. Oh, c'est quoi cette merde? Pause. Comment? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a un poulet volant qui veut. Où est le menu? Par toi. Je dois aller quoi? Vaincre ce monstre? Non. Ah! Ah! Il y a un poulet à poil qui veut me manger. Ok. Le menu c'est quoi? Oh! Menu. Ok. Le flingue. Oh ça va, j'ai 15 balles. Je peux au moins tirer. Ah! Comment on vise? Ok. R1. Oh. Ah! Aïe. Me pique pas la tête. La gomina, c'est parfait que tu n'as pas le droit de toucher avec tes. Ah! Mon dieu, ça a pris combien de balles? This is not a dream. What's happening to this place? C'est même pas un poulet en fait, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne vois rien d'ici, je ne vois rien. Harry Mason, je ne vois rien. Montre-moi, qu'est-ce que je peux faire? Oula, non, pourquoi tu fais des pas chassés?
Montre-moi. Montre-moi la vérité. Non, ne fais pas des pas. Oh, on va le faire. Qu'est-ce que. Il a pété la vitre comme ça, mais on est même pas en sécurité dans les maisons. Cachez vos femmes, vos enfants. C'est dangereux. Je vous l'avais dit en début de partie, je vous l'avais dit. Mon Dieu. Non. Je peux me barrer maintenant? J'aime bien le mec, il est dans le. Il est en train de se faire spammer par un poulet ptérodactyle géant et le mec il est là en train d'ouvrir la porte. Non, je dois vaincre ce monstre. Marie, mais son. La radio me servira peut-être à quelque chose. À quoi? Ok. Bah, apparemment, il veut vraiment écouter rire et chanson. Qu'est-ce que c'est que cette. Ah, j'aurais pas un meilleur angle de vue. Prends la radio! Oui, radio de poche, fantastique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Tout d'un coup, j'ai vraiment pas envie d'aller chercher ma petite fille. C'est noir. Me dites pas que je vais devoir allumer mon briquet et tomber sur des nains turcs. Où donc est partie Cerise? Je ne sais pas. Mon Dieu, je devrais vérifier à nouveau cette allée. Laquelle? Oh, une carte. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris la carte. Café. Oh, c'est quoi? C'est l'allée où j'étais, où il y avait des nains et tout ça? Non. Non, ça va aller. Non, non, mais je crois qu'elle va rester là-bas, hein, la petite catin. Non, moi je. Non, moi je suis bien ici. Oh, je vais prendre cette voiture, je vais carjacker. On est dans GTA ici. Maintenant, je passe à mon GTA. Je suis là, je suis. Nigga! Nigga! Donne-moi ta voiture, négro! Non. Où je dois aller déjà? Comment je fais pour regarder? Non, ça c'est pause. La carte. Ok. Oh! Hein? Oh là, oh, je peux zoomer. Oh là, non, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, de ce que j'ai vu, c'était tout droit. Vous ne pouvez pas vous garer! Jamais! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Un truc sur des bancs, là? Oh, des balles de pistolet! Oh bah, bah je crois que vu comment je vise super bien dans ce jeu, je pense que j'en aurai jamais de trop. J'ai eu de la chance de regarder ce panneau, sinon j'aurais pas vu les balles, je crois. Le brouillard, c'est génial, mais c'est assez casse-gueule, j'ai envie de dire. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que c'est? Il y a des portes et tout. Non, ne te disperse pas, Arimazon. Arimazon, je cherche cette petite fille comme un con. Arimazon. Oh là, oh là, là ça, non, franchement, j'aime pas trop ça. Oh, c'est quoi la taille de ces routes, n'empêche? Attends, le plan. Montre-moi le plan. Ah, ok, c'est à gauche quand je suis. Oh là, oh là, je suis paumé. Suis les lignes blanches de cocaïne. Pac-Man, Pac-Man. Notre poulet, non, ça va aller, merci. Non, regarde, y'a un stop, tu peux pas venir. Suis la réglementation de route, merde. Bordel, il est toujours là. C'est la radio qui en fait prévient. Comment je fais pour regarder? Oh, je vois une ombre. Non, c'est pas bon. En fait, il faut que je me casse. Hein. Je vais pas m'amuser à le tuer vu comment je vise. Je ne vise pas bien. Je ne vise pas bien. Attends. C'est pas dans une petite ruelle que je dois aller? Ça va être chiant de mettre. Oh, oui, c'est bien là. Ça va être chiant de mettre la map tout le temps, mais. Vous comprenez, il fait du brouillard, je ne veux pas me brouiller moi-même. Oh non, 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 pas la radio encore, pas la radio, pas la radio. Je vois rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette. Oh, 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 oh non, 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 ah, c'est quoi ces chiens? Ah, aïe, 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 mon oreille. Non, 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 cours, Harry, cours, qu'est-ce que tu fais? Je sais même pas si c'est là que je dois aller. Mon Dieu. Ah, pourquoi je retourne ici? Comment. J'ai une barre de santé quelque part au moins? Oh regarde, je suis orange, c'est pas bon ça, il faut que je prenne un couteau pour maintenant. Non, boisson vitaminée. Prends ça. Non, en fait non. Non, je sais pas quand je dois les utiliser, ces merdes. J'ai envie de les garder pour. Je sais même pas s'il y a des boss dans le jeu. Pour les monstres qui font mal. Genre les nains turcs qui font mal. Oh. Oh, viens en cours. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ces plans de caméra. C'est délicieux. C'est franchement magnifique comme plan. C'est innovateur, je comprends. Je comprends pourquoi ça a fait tant d'effets. Ça a l'air différent. Toutes ces balles de pistolet, oh mon Dieu. Une vraie armurerie vivante. Et du sang. Erf, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah bah tant mieux, je peux pas y aller, je me ferai plus agresser. Mais il y a un tuyau par terre, ça j'aime ça. Enfin je crois que c'est un tuyau. Oui, c'est un tuyau d'acier. J'ai envie de l'appeler Sanchez. Parce que j'ai plus ma hache dans The Walking Dead, donc j'ai envie de l'appeler Sanchez. À l'école. D'accord. Isn't this Cheryl's sketchbook? Qu'est-ce que ça fout là? She's at the school. Non, c'est foutrement rien. Ah d'accord, ça t'indique à chaque fois les... Ah, c'est génial, ça. Ah, j'aime beaucoup. C'est foutrement loin. Qu'est-ce qu'elle fait chier, cette gamine, bordel?
pourquoi elle me fait aller jusqu'à là-bas là? Elle est là genre oh papa, elle m'a pas bien agouté. La couverture de son cahier, ses dessins, c'est moi. Oh mon dieu. Ah, je comprends pourquoi elle a fugué alors. Si elle te voit comme ça, mec, un espèce de martien avec un strabisme aigu. Mon dieu, c'est quoi ses yeux? Je vois direct, ouais, bah. Le premier dessin tracé par Cerise dans le cahier que je lui ai donné pour ses 5 ans. Ouais, bah. Je comprends, non, cherche plus, mec. Je comprends pourquoi elle s'est barrée. Vu comment elle te perçoit, ça vaut mieux. quoi qu'il en soit, je pense qu'on va garder le voyage jusqu'à l'école pour la prochaine partie, je ne sais pas. J'espère que... Bon, on va quitter cette map. Je sais où c'est au moins. Tout est indiqué, je risque pas trop de me perdre, je pense, j'espère. J'espère que aussi vous avez apprécié cette mise en bouche. Pour ma part, je suis assez enthousiaste. Je dois encore régler quelques problèmes de son. J'espère que ça s'arrangera dès la prochaine partie. Mais l'histoire de Harry Mason et la petite cerise... m'intéresse déjà beaucoup, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Donc laissez un j'aime, mettez en favori, partagez la vidéo, devenez un trophée fidèle si c'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve pour la prochaine partie. Biou!